Rebonjour tout le monde, c'est Rage33 sur Inferno Minds. Après vérification du dernier épisode, c'était bien en normal qu'on jouait cette. C'était bien, comme je disais si bien avant que je m'interrompe, en normal qu'on jouait cette game. Oui, c'est ce que je voulais faire. Et on va faire un petit ajustement. Et on va renommer ça comment ça s'appelait donc? J'ai trouvé mon épée et c'est mon bouton dans la map. Évidemment, je l'ai fait maintenant parce que c'est pour plus tard dans la map. Alors, c'est parti. On s'en va ici. Battle of Enchanting. Plutôt obvious le sort dans le plancher. Et on va bientôt quitter cette base ici, fait que. Je vais pas quitter parce qu'on va revenir, mais bon. À moitié quitter cette base-ci. Oh, oh my god. Yeah! On prend un chemin de fer, on s'en va dans un nouvel endroit que personne connaît, à part moi. Ah, ah, ah. On est parti pour The Outer Darkness. Alors vous voyez, la vue est extrêmement jolie ici. On va voir de loin Lower Minds, on va voir le début de Outer Darkness. Bon, ça fait du beau cette affaire là. Bon. Je t'en ai. On va se mettre de la vraie armure. Ici, si on ramasse tout ce qu'il y a, on a pour des jours. Et des jours. Et des semaines. Que je vais m'arranger pour être bref mais court. Jusqu'ici, rien peut nous rattraper. Parce qu'il y a des murs. On est de ghast. On avance dans ce coffre-là. Bien illuminé autour ici. On tue ça parce qu'on a fait spawner d'autres trucs là-bas. Ah, il est coincé dans l'étoile d'araignée. Ça va exploser la torche. On va rééliminer comme il faut. On va rééliminer ça. Et voilà, ça c'est fait. Ici, à l'endroit, il y a beaucoup de honeypot qu'on appelle des trucs dans les murs qui font spawner les monstres là à la place de les faire spawner. Dans l'endroit normal pour qu'il y ait moins de nature en sport. Juste une grosse tonne de noirceur sans trop de monstres. Je sais, Vex, tu vas être déçu de moi. Il a fait cet endroit-là juste pour qu'on ait une Ghast Farm. Mais fuck it, man, il y a genre 3 millions de poissons de régène de farm. Pourquoi avoir une Ghast Farm? Bon. Ah, j'ai pas du trop. Bon. On va aller faire un petit back à la base. Je vais vous montrer quelque chose de cool.
n'est pas obligé de backer à la base. On peut juste faire ça. Pas de tannée. Désolé. Ben, ça va mieux, j'espère. Mais c'est étouffé. On n'est pas obligé de backer à la barre pour faire des trucs cool. On peut juste faire ça. Ouais. Merci. L'ouvrir. Le remplir de tout ce qu'on n'aura pas de besoin. En espérant qu'on n'ait pas de besoin. Peut-être garder un petit peu plus de torches sur moi parce que ouais, c'est quand même un endroit qui a besoin de beaucoup de torches. On lui donne un petit coup. Et il est parti jusqu'à la base. Ou presque. Faut rien que pour plus d'aller chercher quand on revient. Je pense que c'est par là la bonne place, fait que j'allais par l'autre bord en premier. Pour sécuriser le mauvais chemin en premier, pour pouvoir avoir tout ramassé quand on va arriver au bon chemin. Ouais, c'est ça. C'est d'une très grande logique, mais c'est incompréhensible pour les gens peu intelligents. Ouais, je me rappelle de ce trou-là. Non. Je veux rien qui explose les coffres. Faut pas trop rusher comme un porc avec ça, parce que les gens peuvent bien péter les coffres. Et c'est pas cool. Avant, cet endroit-là était normal, mais les gens qui jouaient la map trouvaient ça trop dur, fait que c'est enlevé un peu de spawner. Là, il est devenu vraiment facile. C'est une bonne épée, ça. J'avais un peu oublié son existence. Des bons pantalons, je vais en avoir besoin de bientôt. Fuck. T'en as mis trop de stuff. Bon. Maintenant, je vais me débarrasser de ce que j'ai pas tant de besoin que ça. Parce que j'ai juste pas du tout de besoin. Ça, je n'ai pas de besoin. Ça, je vais le manger, comme ça, je n'aurai plus de dans mon inventaire. Et mon arc à flèche n'est pas infinity, mais je prends pas tant de flèches que ça. Je sais pas. Bon. Avec assez de charbon pour un méchant bout. Les os, je les veux pas. C'est assez d'arma maintenant, assez de blocs. Ouais. C'est bon. Peut-être faire un autre voyage dans Minecraft à la base. Du reste, je vais juste me prendre ça pour faire des torches de plus, puis voilà. Ça va être tout le moins dans l'inventaire, m'en revenir, m'en faire un petit bac. Avec un autre minecart. Miam, miam, miam. Une place dans l'inventaire. Ouais, ça va finir l'endroit. Ah oui, je me rappelle pourquoi je voulais les bottes. Ouais. Des ghosts. Est-ce qu'on peut l'embarquer sur la rail comme ça? Ah oui, il est parti. Ah! Attends-moi! Oh! Bon, j'ai envoyé un minecart inutile à la base. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais. Fuck.
Je passe pas. Oh, pas tout dropper le charbon, mais il y a quand même encore des trucs à illuminer ici. Mais tout ça, ça peut s'en aller. Je vais garder les enderpearls. Ils peuvent me servir si jamais je tombe, puisque j'ai pas les bottes Feather Falling 10 qui auraient pu me sauver la vie. À cet endroit-là, Vex essaie d'utiliser beaucoup de hauteur. Mettons qu'il n'est pas tant difficile que ça, mais... Voilà. Pour essayer de me rappeler où était l'espoir des creepers. Ce dont je ne me rappelle plus en ce moment. Et j'ai un petit peu peur en ce moment de péter des trucs importants. Je les ai trouvés. Mon arc est pas à bonne place, sérieux, ça gosse. Non. Comme ça. Ça a du sens. Voilà, débarrasser des spawners. Aussi. Puis l'autre, on va le laisser là parce qu'on s'en fout. Plus de torches, j'ai pas besoin de ça. Plus de charbon. J'utiliserai jamais tout ça, mais je vais le prendre. Ça évite du grinding si jamais. J'avais dit que j'allais pas trop prendre de stock. Hein. Toujours compliqué là, c'est ma plate pas trop prendre de stock. Bon, on va juste faire un petit stack de torches que je sais pas encore où est-ce qu'il va aller dans l'inventaire si on n'a pas besoin, et on va se débarrasser de plein d'autres trucs qu'on a pas besoin, genre des blocs de trop, des blocs de trop, trop de charbon, sérieux, tant pis. Mais à mon souvenir, il reste plus tant de coffres que ça dans cette salle là, fait que c'est bien. Je vais garder ça pour l'instant, puis j'en jetterai si jamais. Il me reste un creeper en tout cas. Ah oui, il reste des coffres, je me rappelle de dans la vraie partie hein, qui est très difficile. C'est pas mal le bout le plus tough de la salle parce qu'il y a un gros spawner dans une venimeuse. Désolé Vex, mais c'est un roi de la map là. J'ai déjà fait en armure en cuir pour le fun. Parce que je savais que c'était faisable. J'ai réussi. C'était pas compliqué. C'était un peu facile. Mais je sais qu'à la base il était plus compliqué, mais. J'ai eu des commentaires que c'était trop dur, fait que tu l'avais. Parfait.
Alors, what the fuck? Il y avait un spot noir. L'araignée était bizarre. Ben. Je pense pas que j'ai besoin de vraiment d'autres choses là-dedans. Il reste un spot ici. 10 million battle sign level 3. Tout le temps bien que vous. Bon, maintenant il faut juste que je trouve la bonne façon de monter jusqu'en haut, puis que j'enlève des trucs. Alors. Voilà. Il est au zombie, là, il est ici. Bon, je vais utiliser ça. J'ai vraiment beaucoup de trucs sur moi. Je vais mettre ça sur ma barre. Selon mes souvenirs, c'était pas ici. Ah voilà. Stock. This vine looks like a good one. Let's go. Oh. Ça monte jusqu'en haut. Il y a l'air d'avoir de quoi en haut. C'est bien cool. On va prendre ça au cas où. J'ai gagné de repérer en bas si jamais je tombe. Parce qu'avant j'avais des Feather Falling Discs. Si je prenais les bottes des Wraith, mais. Ouais. Voilà. C'est un petit peu pas là où je voulais aller. You're on your own from here, good luck. Try not to fall off. I mean, just peek over the edge. Check it out. Check out the view. You'd squish pretty bad. In fact. Ouais, je pense que si tu tombes en bas, t'es un petit peu mort. Ben. Ouais, bon. Ça semble une bonne place où monter. Ouais, voilà. Je suis arrivé. C'était pas trop compliqué. Là, pourquoi j'ai pris le bâton 5, c'est le back. Ben, ouais. C'est utile pour faire ça. C'est bien. Là, il y a des monstres qui sont dans les vines. Alors, on va se débarrasser de tout ça. Une petite seconde. Le creeper, il n'existe pas. Il n'est pas là. Ménard. Ouais, il y a beaucoup de zones. Il y a un spawn de problème pendant que je fais ça. Ici c'est toujours une place quand même tough à entrer parce que ouais. Il y a comme des zombies qui arrivent de partout. Une couple de spawners aussi à l'entrée. Bien placé pour être chiant. C'est le bout un petit peu tough de l'endroit. Une fois que t'es rentré ici par exemple t'es plutôt clair. Ouais, c'était pas tant tough que ça finalement. What the fuck, il est tellement mort. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas les fire aspect. Moi j'ai fire prediction.
Peur. Ça commence à bien aller là. Je pense que je vois une boîte avec de la laine dedans. Ouais, ça je vais garder ça dans mon inventaire. Ouais, ça va voir. Ce que je vais enlever, c'est ça, probablement. Il n'y a pas full de besoin. Mais. Ce que je veux, c'est enlever. Bon, maintenant, il me faut faire de la place dans mon inventaire pour pouvoir. Voilà, il y a des fans que je n'utiliserai jamais. Il y a aussi. Pas grand chose que j'utiliserai pas. Enfin, je peux manger ça le prochain coup que j'ai faim. Parce que s'approcher trop de la dedans, c'est un petit peu épeurant. C'est le mot, je dirais. En même temps, je boule les araignées. Troll. C'est pas tant dangereux plus que c'est épeurant là-dedans. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'approcher. Évidemment, les pigments, ils sont déjà aggro, sinon ce serait pas cool. Mais ils sont un petit peu cons, fait que voilà. Il est un petit peu con, mais c'est qu'on knockback, puis ils peuvent te pousser en bas assez facilement. Que j'avais pas. Bon voilà. Ça revient. Ah ouais, vite. Parce que je laisse cette aigre. Il y en a deux qui s'en viennent. J'ai oublié la piste light pour. Ça va pas être pareil. Maintenant que je sais PVP, ça va mieux. Parce que les paymen ont quand même moins de range qu'un joueur en PVP. Je dis PVP. Pensez-vous que c'est ça? Sachant ça, je vais peut-être aussi aller plus loin dans cet épisode-là. Je veux les pépites d'or. Maintenant, contre quoi pourrais-je les changer? Ouais, ça. Alors, on va se rendre à l'intersection. Ah! Non, sinon on a avancé. C'est fait. Alors ici, dans cet endroit-là, si tu recules, tu te poignes par plein de potions de poison, dommage, slowness, weakness. Alors, quand tu vas les spawners, faut que tu continues à avancer. Sinon on va être dans la merde. Ça je vais looter ça plus tard. Enfin je pense que le prochain épisode je vais m'occuper de